Pendant les nombreuses années de mon enfer, je n'ai jamais été frappée. J'aurais bien aimé, pourtant. J'aurais aimé prendre des coups, avoir des bleus et des plaies. J'aurais aimé avoir des blessures pour pouvoir les montrer au monde en disant, en hurlant, « Regardez ce que je vis !» Cela n'a pas été le cas. Je n'ai été blessée qu'à l'âme. Ces mots, nous les avons retrouvés dans le journal intime de ma petite sœur, après qu'elle se soit suicidée à cause du harcèlement scolaire. Et je suis tombée de haut, car elle n'avait dit à personne, ni à mes parents, ni à moi, ce qu'elle vivait. Comme ma sœur, 10% des élèves âgés de 10 à 14 ans sont victimes de harcèlement scolaire, de cyberharcèlement ou des deux. C'est l'enfant d'un parent sur 10 présent dans cette pièce. Et comme ma sœur, 60% des victimes de harcèlement scolaire n'en parlent pas à leur famille. Ils s'isolent et se murent dans le silence et la dépression. 1 sur 4. C'est le nombre de victimes de harcèlement scolaire qui envisagent de se suicider. Il est vrai qu'il est difficile de lier légalement le harcèlement scolaire au suicide, donc il est difficile d'obtenir des chiffres. Mais on estime que chaque année, en France, le harcèlement scolaire, c'est 25 jeunes qui meurent et qu'on aurait pu sauver. 25 qui sont morts de silence. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le harcèlement scolaire? C'est une insulte, c'est un coup de coude qu'on ne voit pas, c'est un message envoyé à 22h le soir. Et tout cela plusieurs fois par semaine. Et tout cela plusieurs fois par jour. Le harcèlement scolaire, c'est le fait de blesser quelqu'un de manière répétitive et intentionnelle, de manière verbale, physique ou psychologique, d'après l'Éducation nationale. La victime perd confiance en elle et mettra des années à se reconstruire. Souvent, ce harcèlement s'accompagne de traumatismes qui continueront à avoir un impact sur la vie de la victime, sa vie professionnelle, amicale, sa relation avec ses propres enfants sera impactée. Mais attention, le psychopédagogue Bruno Humbeck nous rappelle que le harcèlement scolaire, ce n'est pas un conflit. C'est la répétition de ce harcèlement qui produira des traumatismes sur la victime. Elle devient alors convaincue que c'est elle qui est le problème et elle minimise la violence qui lui est infligée. Alors on dit aux victimes, parlez, en oubliant que les mots ne parviennent pas toujours à sortir. Dans un effort pour nous protéger de la douleur, les mécanismes de notre cerveau s'activent et déconnectent les souvenirs de notre cortex préfrontal. Cette partie du cerveau qui nous permet de traduire nos pensées en mots. En perdant la faculté de partager notre expérience, nous perdons la possibilité de recevoir de l'aide. On passe de la petite moquerie aux insultes, puis aux agressions, et on se sent immensément seul, fragile et incompris. Voici par exemple deux témoignages que j'ai reçus sur mon compte Instagram « Agathe en parle ». En quatrième, ma meilleure amie a été cruelle avec une autre élève. J'ai osé le lui dire dans les yeux. Elle a ligué tout le groupe contre moi. Et comme j'ai été éduquée à ne jamais dire de gros mots, lorsqu'elle m'insultait, je ne ripostais jamais. Au bout d'un an, j'ai redoublé ma troisième, puis j'ai été médicamentée pour dépression. En voici un autre. J'ai 60 ans. Et durant mes années lycée, j'ai été harceleuse. Nous avions pris en grippe une fille de ma classe. Nous lui avons fait vivre l'enfer. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas comment j'ai pu faire cela. Et encore aujourd'hui, j'en ai toujours aussi honte. J'ai eu mes 60 ans cet été et c'est la première fois que j'en parle. Voici comment le harcèlement scolaire détruit des vies des deux côtés. Celle des harceleurs, celle des harcelés. Et celle de leur fratrie, comme moi.
Alors d'accord, le harcèlement scolaire a toujours existé. Mais celui d'aujourd'hui est différent de celui vécu par nos parents. Car le cyberharcèlement ne s'arrête jamais. Lorsque la cloche de l'école sonne la fin de la journée scolaire, les tyrans rentrent à la maison avec vous, directement dans votre poche. Certains d'entre eux, que vous ne connaissez peut-être même pas personnellement, vous agressent sur les réseaux sociaux. Moi, si j'avais su que ma sœur souffrait, j'aurais commencé à sensibiliser plus tôt. Je me serais tenue à ses côtés et je lui aurais montré qu'elle n'est pas seule. Je me serais battue, mais je n'en ai pas eu le temps. Lorsque j'ai réalisé qu'il y avait eu harcèlement scolaire, ma sœur était déjà décédée. Ce temps que je n'ai pas eu, j'aimerais vous le donner. Pour vous, je le répète, pour vous, il n'est pas trop tard. Notre entourage est un levier puissant pour continuer à se battre lors de nos périodes sombres. Bien sûr, nous sommes tous pris par nos activités, notre travail, nos problèmes, pour réfléchir à des solutions à l'échelle nationale. Bien sûr, nous savons tous que lorsqu'on demande à un adolescent, le soir, au dîner, « Alors, est-ce que tu as vécu un harcèlement scolaire ?» cela donne rarement une réponse honnête. La question est trop directe. Par contre, partager nos propres histoires avec vulnérabilité, parler de notre vécu lié au harcèlement scolaire, même si cela implique de la souffrance, cela aide les autres à s'ouvrir à nous. Cela leur rappelle que nous sommes tous imparfaits, vulnérables, humains. Et ainsi, ceux que l'on aime peuvent se sentir moins seuls. C'est ce que j'ai décidé de faire après le décès de ma sœur. J'ai écrit le livre de Liane, un roman de sensibilisation adapté aux ados et aux jeunes adultes. Un outil utilisé aujourd'hui en classe et par les parents. L'écho, suite à cette publication, a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Des artistes partout en France se sont mis à illustrer les pages du journal intime de ma sœur. Parmi eux, Yiling Chang, qui a réalisé ce dessin. Cette illustration a été imprimée sur des centaines de cartes postales et utilisée par des associations lors de sessions de sensibilisation. Ainsi, chaque adolescent écrit un message individuel sur la carte postale destiné à un harcelé, à un harceleur ou à un témoin. Alors que nous parlons, en octobre 2023, 1400 élèves sont en train d'écrire des mots de soutien qui seront exposés avant d'être redistribués. Oui, la solidarité existe toujours. Oui, le soutien du groupe face au harcèlement scolaire est possible et efficace. Oui, nous pouvons encore, ensemble, changer les choses. Car chaque élève qui écrit sur la carte postale réfléchit et se met à la place du harceleur, travaillant ainsi son empathie. Élève par élève, carte par carte, les jeunes Français et leurs familles se mobilisent pour parler, écrire, informer contre le harcèlement scolaire. Pour les plus petits, ceux qui ne savent pas encore bien écrire, eh bien ils dessinent sur la carte. Chacun est important. Chacun contribue à rendre visible le phénomène, à casser le tabou. Car le vrai problème du harcèlement scolaire, ce n'est pas que les adolescents se font des farces ou décident soudainement de rejeter un élève, le laissant seul pendant les récréations. Le vrai problème, c'est que le harcèlement scolaire est invisible et laisse les victimes désemparées. Alors j'espère que dès aujourd'hui, vous aurez envie de briser ce tabou avec moi, que vous aurez envie de parler du sujet autour de vous, avec empathie et bienveillance. Merci.